Salut les loulous, j'espère que ça va-t-il bien tout le monde les gens. Moi je pète le feu, je suis en pleine forme. Ça fait 2 semaines que j'ai repris le sport après 11 ans d'abstinence. Et ben je peux vous dire que ça fait trop du bien quoi. Au début j'avais la flemme, je me disais putain ça me fait chier de me remettre au sport, ça me saoule. Mais une fois que t'es dedans en fait ça fait trop du bien et tu te regrettes de ne pas l'avoir fait plus tôt. On s'en fout littéralement. Ouais, ça faisait 11 ans que j'avais pas fait de sport. Après les deux grossesses des filles, j'en avais bien besoin parce que j'étais toute flagada, toute un vrai mollusque. Sachant que j'ai fait 2 gros bébés, elles faisaient toutes les deux 4 kilos à la naissance. Hein. Donc voilà, j'en avais bien besoin de faire du sport. On va faire comme dans Secret Story, bienvenue dans la quotidienne du mensuel. Les créations du mois de janvier, les premières de la nouvelle année. Ouais, et j'en ai fait énormément, mais oh, là j'ai abusé. J'en ai fait beaucoup trop. Et du coup, bah, comme, de toute façon, comme à chaque fois, mais la plupart, elles sont bonnes achetées, quoi. Elles sont toutes foirées, j'aime pas. Elles sont moches. Je suis trop productive et au final, bah, je devrais pas parce que tout est horrible. Moi, j'aime pas. J'aime pas du tout. Comme d'hab, hein. De toute façon, j'ai jamais confiance en moi, je suis toujours défaitiste. Ce que je fais, c'est de la merde. Vous êtes plusieurs à me dire le contraire, vous me remontez le moral, vous êtes 3 d'Europe, donc à mon avis, à la fin, je vais vous saouler à force de dire toujours la même chose. Excusez-moi, c'est comme ça, j'aime pas ce que je fais, c'est horrible. Il y en a certaines, oui, ça va, je suis contente, mais la plupart... Puis il faut que j'arrête, de toute façon, je suis rentrée dans une routine, je fais toujours la même chose. C'est chiant, quoi. Faut que je me remette à mes anciennes créations, je faisais beaucoup de figurines, beaucoup de machins. J'aimais bien ce temps-là, c'était sympa aussi. Moi j'aime bien faire tout en polymère, mis à part la gourmandise. Ah bon, enfin bref, faut que je change ma routine parce que là c'est plus possible. Tout le temps me faire la même chose, c'est chiant quoi à la fin. On s'en fout. Pff. Bon, j'ai énormément de créations à vous montrer et je commence à perdre la voix. Et j'ai aussi beaucoup de choses à vous dire donc ça va être très très long. Si je commence à avoir une voix de robot, ça va peut-être pas faire. Avant toute chose, je tenais juste à remercier Béatrice, Magali et Sandrine qui m'ont offert des super cadeaux de Noël. Un grand merci à vous les filles, vous êtes vraiment trop 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 adorables, vous m'avez trop gâtée, c'est de la folie. Vous êtes des folles! J'ai un petit clin d'œil à Sandrine parce que son colis vient de l'île de la Réunion, donc il a voyagé de très très loin. Donc c'est un truc de fou quoi. Enfin bref, merci énormément les filles parce que c'était vraiment super. C'est une bonne nouvelle? Pour moi, vous en avez rien à foutre, mais moi je suis contente. Je suis enfin déclarée. Je fais plus les choses dans l'illégalité. Je fais plus les choses aux blagues, maintenant c'est bon. Je suis déclarée. Ouais, je suis contente. Bon, en même temps, ça sert pas à grand chose parce que pour le si peu que je vends, on va pas aller très loin. Mais au moins, je suis tranquille. J'ai une épine en moins dans le pied. Je suis déclarée. Je fais plus les choses illégalement. Je suis contente. Ça, c'est bien. On s'en fout complètement. Enfin bref, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, dis donc. C'est vrai qu'en ce moment, je me fais discrète. Je fais de moins en moins de vidéos, mais je suis toujours là. Je suis toujours au taquet. Mais c'est vrai qu'en ce moment, bah, j'ai pas mal ralenti. Hein. Vous m'en voulez pas, hein. Avec tout ce qui se passe en ce moment, dans le monde de la polymère sur YouTube, là... J'en ai marre des crépages de chinois, des camines de merde qui foutent la merde. Moi ça me saoule, j'ai passé l'âge de ces trucs-là, même si dans ma tête je suis encore une grosse gamine, ce genre de choses-là, ça me passe au-dessus de la tête. Donc je préfère m'éloigner discrètement. Ouais, c'est chiant, hein, je suis sur ma chaîne, je suis tranquille, je demande à rien à personne, je fais ma petite live tranquille, il faut quand même qu'on vienne me faire chier, quoi. Putain, ça m'énerve, ça, sérieux. Donc je les laisse dans leur merde, éclatez-vous si vous avez que ça à foutre, moi je fais ma live tranquille. Voilà. Et je voulais aussi vous demander, je sais pas si vous êtes, si vous savez ou quoi que ce soit, j'en sais rien, mais je voulais savoir quand est-ce qu'il y aurait un nouveau salon création et savoir-faire sur Paris, parce que cette fois-ci, je vais peut-être pointer le petit bout de mon nez. Mon chéri veut bien m'emmener, parce que moi toute seule, j'irai jamais. Ça, c'est hors de question, aller à Paris toute seule, c'est même pas la peine. Donc mon chéri m'a dit oui, alors je sais pas quand est-ce qu'il y en aura un nouveau, j'en sais rien. En même temps, je sais que ça va pas me plaire, je sais que je vais me faire chier là-bas royalement, même si je vais... peut-être rencontrer des gens que j'aime bien, mais il y a d'autres gens que je n'aime pas et que j'ai pas forcément envie de voir, quoi. Mais bon, enfin bref, voilà, c'est juste une expérience à tenter, je voudrais juste voir ce que ça va donner, quoi. Même si je sais d'avance que ça va pas me plaire. Je sais que je vais repartir les mains vides parce que là-bas tout est hors de prix. Mais enfin bref, voilà, je voulais juste... voilà, hein, on s'en fout.
Si vous voulez être au courant des dernières nouveautés, bah, je vous donne rendez-vous sur la boutique. Et tout est en avant-première dessus. Donc comme ça, vous allez tout voir directement. Mais bon, là, j'ai déjà mis tout en ligne sur la boutique. Mais il y en a plein qui vont disparaître parce que je vais les supprimer parce que je les aime pas du tout. Donc allez-y maintenant si vous voulez voir parce qu'après ils y seront plus. Je vais les enlever. Bon allez, j'arrête blablabla. J'ai déjà perdu 5 minutes à parler pour rien, même plus que ça. Enfin, ouais. Je commence tout de suite les créations du mois de janvier, les premières de la nouvelle année. Et je vais commencer avec les bijoux sans polymère, comme ça, ça sera fait. Donc j'en ai fait un bon petit paquet. J'ai tout emmêlé, on s'en fout. Donc voilà, vas-y, enfin bref, je vous passe les détails, je vous laisse regarder ça plus en détail. Donc j'ai fait beaucoup de boucles d'oreilles sur le thème des attrape-rêves ou des chandeliers, on peut dire ça comme ça. Donc il y en a pour tous les goûts, toutes les sortes. Après, au niveau des couleurs, je peux toujours changer si ça plaît pas. Je me suis amusée aussi à faire une petite broche. Donc là, c'est un modèle unique parce que je n'ai pas d'autres couleurs de fée ni de petit cœur. Donc là, il n'y a pas le choix, c'est que rouge ou rien du tout. Alors pour ce collier-là, c'est pareil, si ça ne plaît pas, je peux toujours changer les couleurs. J'ai d'autres couleurs de fleurs, hein. Mais enfin bref, voilà, un petit collier grappe de fleurs lucides en acrylique, blanche, toute blanche. Après, je peux les changer, je peux faire rouge, jaune, vert, bleu ou violet. Voilà. En attendant, j'ai fait blanc parce que c'est comme pour celui-là, c'est pas une très grande réussite parce que c'est la première fois que je faisais ça. J'ai voulu faire le tissage d'un arbre de vie, mais je suis pas trop satisfaite du résultat. Il est un peu tordu, mon arbre de vie, quand même, non ? Enfin, pas tordu, il manque des branches, je dirais plutôt. Mais enfin, bref, voilà un petit arbre de vie comme ça. Ensuite, je passe au bijou de sac. Donc là, le premier, c'est sur le thème de la galaxie. Et le petit cabochon en verre, je l'ai fait avec du vernis à ongles, tout simplement. Ça brille de mille feux. Bijou de sable, bon cette fois-ci il a un petit peu de polymère dessus, donc c'est avec les restes de mes cannes fleurs que je vous avais montré le mois dernier. Donc j'ai fait une grosse perle comme ça en polymère et puis j'en ai fait un bijou de sac. Alors pour cette collection-là, c'est par rapport au tuto que je vous ai fait récemment sur la canne pied de poule. Donc voilà, j'ai fait ces deux petits colliers-là. Pour l'instant, je n'ai pas fait d'autres, mais il me reste encore un bout de canne, donc je peux refaire d'autres bijoux. Enfin bref, pour l'instant, il n'y a que ces deux-là, et c'est très bien comme ça. Voilà! Ensuite, je vais passer à la deuxième catégorie, parce que là, comme le mois dernier, j'ai rangé ça par catégorie pour que ce soit plus clair pour moi ou pour vous aussi, peut-être, j'en sais rien. Enfin bref, la deuxième catégorie, c'est les bijoux, tout et rien, tout et n'importe quoi, sans queue ni tête, et voilà, tout et n'importe quoi. Donc là, il y a plein de créations que je n'aime pas du tout. La première, c'est avec le motif chevron, et encore une fois, c'est complètement foiré, comme le mois dernier. J'y arrive pas, le motif chevron, il n'y a rien à faire, hein, c'est vraiment pas beau. Les lignes, elles sont irrégulières, il y a plein de défauts, c'est pas aligné comme il faut.
Non, il n'y a vraiment rien à faire. Alors, je me suis trouvé une excuse. Vous allez dire, c'est une excuse bidon, qu'est-ce qu'elle me raconte, elle ? C'est parce que je suis gauchère. Et les gauchers ne savent pas faire des lignes droites. C'est bien connu ? Alors, pas tous, hein, bien sûr, hein, mais moi, c'est sûr, je ne sais pas faire des lignes droites à main levée. Et même avec une règle, parfois, c'est pas droit. Alors, c'est pour vous dire. Mais ouais, non. Les droitiers ont plus de facilité. Les gauchers, c'est mission impossible. De faire une ligne droite, c'est, oh, c'est un calvaire, mais monstrueux. Surtout moi qui suis pas du tout patiente, faut que ça se fasse tout de suite maintenant, rapido. Du coup, bah voilà, je foire tout à chaque fois. Non, les lignes droites, enfin là, c'est pas des lignes droites, c'est du chevron, mais c'est tout comme quoi. J'y arrive pas. C'est impossible de faire. C'est dingue, hein? C'est quoi cette excuse bidon? Qu'est-ce qu'elle raconte comme connerie? Elle est vraiment blonde celle-là, hein? Ensuite, pour celui-là, j'ai voulu faire un double face. Un côté bleu et un côté violet. Et sur le côté violet, il y a du bleu, et sur le côté bleu, il y a du violet. Enfin, voilà, j'ai voulu faire un test, mais pas concluant. Je n'aime pas non plus celui-là. Donc ensuite, pour celui-là, j'ai voulu faire un petit côté marbré en mélangeant le bleu, le vert et le... Enfin, tout est translucide, hein. C'est juste que j'ai mis des couleurs à l'intérieur de la translucide. Enfin bref, voilà, j'ai voulu faire un côté marbré et le vert. Et j'ai aussi rajouté des éclats de feuilles d'or. Voilà, c'est un petit support camé que, justement, ma petite Magali m'avait offert. Ils vont bien me servir, c'est génial, j'adore. Voilà, un petit colis comme ça. Alors pour celui-là, j'ai utilisé que de la translucide et pour lui donner le côté bleu, j'ai rien rajouté, mis à part des paillettes. Il n'y a que des paillettes dans ce translucide. Que ça, que des paillettes, que des paillettes. Donc il y a trois bleus différents, si je dis pas de conneries, il faut que je me souvienne de ce que j'ai fait. Hein. Je fais tellement les choses machinalement que la plupart... Putain, tu m'as fait peur. Que la plupart du temps, j'oublie ce que je fais. C'est cool. Ouais, donc il y a, je crois qu'il y avait trois bleus de paillettes différentes. Des paillettes argentées et j'ai aussi rajouté de la feuille métallique argentée. Et ça m'a donné un petit cube. Non, c'est pas un cube. Enfin bref, ça m'a donné ça tout en bleu alors que j'ai pas utilisé de bleu mis à part les paillettes. C'est cool, hein, c'est rigolo. C'est bon à savoir, non? Moi j'aime bien, voilà. Ensuite pour celui-là, j'ai refait mes cannes fleurs comme j'ai fait le mois dernier, que j'étais pas du tout satisfaite, et encore une fois, je ne suis pas du tout satisfaite. Mais vous avez été content. Enfin, vous avez dit que c'était super joli, celui de la dernière fois. Donc du coup, j'en ai refait un autre pour essayer de m'améliorer, mais non, il n'y a rien à faire, j'aime pas du tout non plus. Et donc cette fois-ci, je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai aussi mis des feuilles de métal doré à l'intérieur, en dessous, au second étage. Parce que c'est tout en translucide, voilà. Et l'autre, oui, celui du mois dernier, c'était tout en translucide. Et là, j'ai mis du parme à l'arrière pour changer. Donc voilà. Ensuite, pour celui-là, c'est un petit souvenir, un petit clin d'œil à mon sapin de Noël. Quand je l'ai défait, il y a une branche qui est tombée. Et du coup, bah, je l'ai gardé de côté. Et puis, je l'ai imprégné dans la polymère. Et ensuite, j'ai fait une patine avec de la poudre fimo dorée. Argentée. Ouh, mais pas bien, moi. Je dis des conneries. Donc voilà ce que ça a donné. Mais... Bah voilà, je suis pas fan du résultat. Et en plus de ça, la deuxième cuisson, je sais pas si vous allez le voir, mais le pendentif a été complètement courbé. Normalement, il devait être courbé dans l'autre sens, quoi. Ouais, enfin bref. Je suis pas fan non plus, du coup. Je vais le garder en souvenir par rapport à mon sapin, mais je l'enlèverai de la boutique quand même. Ensuite, pour celui-là, c'est une petite parure. Il y a le collier et les boucles d'oreilles. J'ai appelé ça mon beau ciel bleu. Et donc du coup, encore une fois, j'utilise du translucide, j'utilise beaucoup en ce moment, mais beaucoup de translucide, c'est hallucinant. Et de l'isine, que la volubilis, je crois que c'est ça. Et j'ai rajouté aussi du blanc. Voilà, ça m'a fait penser au ciel, je sais pas pourquoi. Parce que c'est bleu. Ah, la couillonne. Enfin bref, voilà, le collier et les boucles d'oreilles. Mon joli ciel. Et pour finir dans cette collection-là... bah j'ai celui-là, voilà, tout simplement. Donc là, c'est du perlex que j'ai mélangé avec de la feuille métallique dorée. Et toujours avec la translucide. Voilà. Ensuite, on reste toujours dans la même collection, mais cette fois-ci avec les flops. Les gros flops, les trucs où je suis deg de chez deg à mort. Oh la vache, tout est moche, tout est pas beau. Berk, berk, berk. Donc pour commencer, bah celui au début, je l'aimais bien. Et puis maintenant, je trouve que, bah, faut être non. Il y a le petit... avec plein de dégradés. Voilà. Alors, je ne l'ai pas verni. Enfin, si, j'ai verni, mais en fait, je vais vous expliquer. J'ai fait une petite expérience sans le vouloir.
En fait, j'avais fait ma création normale, je l'ai cuite, et après je l'ai vernie. Je fais merde la con, j'ai oublié de faire la semelle. Bon, bah tant pis, on va voir ce que ça va donner. Donc du coup, ouais, je l'ai vernie, j'ai fait la semelle, et j'ai repassé au four, et du coup, ça m'a donné un côté ultra glossy, quoi. C'est hallucinant, donc le vernis, une fois qu'on le remet au four, ça devient hyper glossy. Apparemment, ça ne fonctionne pas avec tous les vernis, il faut faire attention, mais en tout cas avec le vernis Fimo, parce que je n'utilise que le vernis Fimo, ça fonctionne très bien. Mais dis, c'est bordel ici, tout le monde fout le bordel. Ensuite, pour celui-là, c'est avec la technique que je vous ai montrée récemment, la technique de la pâte déchirée, watercolor mosaic. Et dans le tuto, je t'en prie, Faya. Et dans le tuto, je vous ai montré que des versions ultra, ultra colorées, quoi. Qui pètent à la gueule. Et je voulais vous montrer aussi qu'on pouvait faire de couleurs unies. Ça sert à rien de faire multicolores, quoi. Mais du coup, bah, celui-là, j'aime pas le résultat. Mais on peut quand même le faire de couleurs unies. Ensuite, pour ces deux-là, j'ai voulu faire un remix en mélangeant les dégradés. En faisant un côté endroit, un côté envers. Mais bah, du coup, j'aime pas trop le résultat non plus. Bah, celui-là, j'aime bien son plus, mais celui-là, il a cramé. Donc voilà, enfin bref. Ensuite, pour celui-là, je sais pas du tout où est-ce que je suis allée. J'ai même pas fait la semelle, du coup. Je me suis arrêtée à ce stade-là, parce que j'ai... Non, voilà. Je sais pas ce que j'ai voulu faire, mais ensuite, voilà. Du coup, parce que je n'aime pas rester sur une défaite, j'ai voulu refaire un motif chevron. Mais là, c'est pareil, parce que j'ai voulu changer un peu la donne. Mais non, il n'y a rien à faire, je trouve que c'est pas beau. C'est pas aligné, c'est pas droit, c'est pas beau, j'aime pas. Alors par contre, pour celui-là, c'est autre chose. Je l'adore, mais je suis dégoûtée parce qu'à la deuxième cuisson, quand j'ai fait la semelle, ça m'a fait plein de bulles. Je suis verte parce que je le kiffe de trop celui-là. Il est trop beau. Je l'aime trop, mais il m'a fait plein de bulles. Je suis deg à mort. Et vu que j'ai rien pour poncer, polir, lustrer, tout le tralala, bah pour l'instant, je suis obligée de le laisser comme ça. Alors, je le laisse de côté, mais une fois que j'aurai acheté tout le matos pour faire le nécessaire, j'espère pouvoir le récupérer. J'espère vraiment, parce que je l'adore. Si j'arrive pas à le récupérer, au pire, je recommencerai. Mais ah, je l'aime trop, celui-là, et je suis vraiment verte, quoi. Ensuite, je passais à la catégorie nature. Parce qu'il n'y a pas que de la nature, mais on va dire ça comme ça, hein. On va voir les choses larges. Donc voilà, bah, ça n'a rien à voir, mais on va commencer avec un effet cuir. Qu'est-ce que ça a à voir avec la nature? Bah je sais pas quoi, c'est marron, donc ça me fait penser à la nature. Non, c'est parce qu'il y a un petit papillon, mais oui, je suis rien con. Voilà, juste un effet cuir avec un tampon papillon dessus. Voilà. Ensuite, pour celui-là, j'ai voulu faire un effet bois. Et encore les poils du chat, forcément. Oh, il y en a partout, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, en plus, j'ai des fourmis dans la jambe. Aouh. Oh, putain, ça fait mal, là. Ah ouais, s'asseoir n'importe comment, je... J'ai l'habitude de m'asseoir à genoux. Ah, putain, c'est la grand-mère. C'est bon. Il ne s'est rien passé. Donc pour cela, voilà, j'ai voulu faire un côté effet bois et un côté sérigraphie avec des petites fleurs sur le côté. Voilà. Je l'aime beaucoup, je vois. De toute façon, tout ce qui concerne la nature, moi j'adore ça. Pour les suivants, j'ai voulu faire l'imitation du bois flotté, mais... Bah moi je suis pas satisfaite, après dites-moi ce que vous en pensez, hein. Mais moi je trouve pas que ça fasse bois flotté. Je me suis inspirée de beaucoup de photos que j'ai trouvées sur internet. Pour essayer de faire le plus ressemblant possible, mais du coup non, j'aime pas, il n'y a rien à faire. Enfin bref, voilà, il y a 3 petits colliers. Ensuite, les deux derniers bijoux dans cette collection-là, c'est le vert jade. Des petits bijoux avec la Fimo vert jade que j'adore. J'adore cette couleur, elle est tellement belle! Déjà parce que c'est jade, j'adore parce que c'est le prénom de ma fille. Et puis même, de toute façon, la pierre jade, je la trouve tellement belle. Et là, la couleur Fimo, elle est tellement magnifique aussi, j'adore.
Donc là, il y a le premier bijou. C'est le seul qui n'est pas sur ma boutique encore parce que j'attends d'avoir le matos pour pouvoir poncer, polir, lustrer, tout le tralala, pour que ça puisse briller de mille feux. Parce que c'est mieux quand ça concerne les pierres, quand ça brille vraiment comme il faut, quoi. Donc du coup, pour l'instant, celui-là, je l'ai mis de côté. Puis on verra quand j'aurai acheté ce qu'il faut. Ça fera beaucoup plus joli. Et le deuxième, du coup, c'est une petite pierre sur la lune, que j'aime beaucoup aussi. C'est en toute simplicité, mais j'adore. Je l'adore. Donc ensuite, pour la prochaine collection, je me suis amusée à faire des bijoux acidulés tout en transparence. Et pour la toute première fois de ma vie, vous n'allez pas me croire, et ben j'ai utilisé de la cernite. Oh! La cernite translucide. La toute blanche, la transparente, la de base. Et je dois l'avouer, oui, c'est vrai, vous avez tous raison. La cernite translucide est beaucoup plus transparente que la fimo translucide. J'avoue, j'avoue. Mais la matière, c'est trop chelou, quoi. Oh, ah, ça m'a fait bizarre quand j'ai touché la cernite. C'est quoi ça? On dirait que c'est un motif du plastoc. Enfin, je sais pas, ça m'a fait trop bizarre, quoi. La texture, hein, c'est trop chelou. J'aime pas, moi. Je préfère la texture de la fimo. La fille est complètement cinglée. Donc voilà. Ah, ça s'est emmêlé, forcément. Donc c'est la première fois que j'utilisais de la cernite. Hein, je démêle devant vous en même temps. Translucide, donc là je l'ai colorisé avec du pastel sec pour lui donner un côté un peu ambre. Ça me faisait penser à du miel. Donc voilà, j'ai appelé ce petit collier-là, une fois que j'aurai réussi à vous le démêler, hein, pastille de miel, tout simplement. Voilà, enfin bref, j'y arrive pas, tant pis. Regardez, ça sera mieux, hein. Collier, bon, c'est pas grand chose, mais j'offre ces petites boucles d'oreilles là en cadeau. Si jamais, voilà quoi. Ensuite, bah, pour cela, c'est pareil, c'est de la cernite translucide que j'ai mélangée avec les encres pignata, les quatre couleurs que j'avais. Et pour le cinquième petit carré, j'ai mélangé du jaune et du vert, du vert et du bleu. Le vert et le bleu, j'ai mélangé pour obtenir un vert foncé. Enfin bref, voilà, j'ai des petites boucles d'oreilles aux couleurs acidulées et tout en transparence. Et j'ai mélangé les boucles d'oreilles, enfin les petits cubes. Enfin, c'est pas des cubes parce que c'est raplapla, mais voilà, j'ai pas respecté le code couleur volontairement. Bah après, la personne qui veut me les acheter et qui veut que je respecte le code couleur, y a pas de souci. Moi, je trouvais ça plus rigolo comme ça, mais bon, après, je m'adapte à tout. Et avec les couleurs qui me restaient des petites boucles d'oreilles, j'ai fait un petit dégradé et pour au final faire ce petit collier. Voilà, en espèce de vague. Et avec ce qui restait, du coup, j'ai fait aussi une petite perle. Voilà. Et donc, pour finir dans cette collection, j'ai un petit sautoir que j'aimais énormément. Pareil, toujours avec la cernite et les encres pinata. Et j'ai fait un sautoir feuille, double feuille. Voilà, comme ça, je l'adore, ça fait vraiment... Bah en fait, cette collection-là, ça me fait penser au printemps. Bah surtout les feuilles, du coup. Mais voilà, ça me faisait penser au printemps et c'est ma saison préférée. Puis j'ai hâte qu'elle revienne parce que j'adore cette saison-là. La saison où la nature renaît de ses cendres, moi, enfin, je trouve, j'adore le printemps, j'adore, j'adore. On s'en fout, hein, complètement. Ensuite, j'ai refait une petite collection sur le nacré. Enfin, une collection vite fait, parce qu'il n'y en a que deux. Il n'y a que deux bijoux, deux colliers. Donc, vous inquiétez pas, je vous ai promis le tuto. Il va arriver, laissez-moi juste le temps. Donc, voilà, il y a deux petits colliers sur l'effet nacré. Et là, du coup, j'ai mélangé le nacré et du parme. Voilà. Thank you.
ensuite, là, je me suis amusée à faire du patchwork pour cette énième collection. Je me suis amusée. Donc, pour les trois premiers bijoux que je vous montre, là, j'ai mélangé un effet cuir, un effet jean, un effet lin, le tissu lin. Et l'autre, on va dire que ça fait un peu crocodile, quoi, vite fait. Enfin bref, vous voyez les trois petits bijoux, là. Et pour le quatrième, là, j'ai mélangé juste du cuir, du jean, et j'ai fait l'empreinte d'une estampe que j'ai patinée en bleu. Tout en bleu et marron pour celui-là. Sur un cordon en simili-cuir. Voilà. Et donc la toute dernière collection qui me tient énormément à cœur. Ça concerne le printemps. J'adore. Elle est folle, cette fille, elle est folle. Je te jure, ça va pas bien, moi. C'est de pire en pire. Et donc, j'ai refait mes petites fleurs chéries que j'aime tant. Ça faisait tellement longtemps que j'en ai pas fait que voilà, j'ai voulu en refaire. Et donc, du coup, j'ai fait rose. Ouais, rose. Je déteste le rose, mais j'ai fait du rose parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment ça. Alors, je pense à vous aussi. Hein. Faut pas que je pense que à mes goûts personnels. Donc, du coup, voilà, j'ai fait une rose rose. Avec des petites fleurs et feuilles lucides tout en bas et des petites perles à facettes roses sur la chaîne. Et je viens de m'apercevoir comme une couillonne. Je te jure, ça va pas bien, moi. J'ai oublié de mettre les strass tout autour du support carré. C'est pas bien. C'est pas bien. Pas bien du tout. Et donc, un autre... Normalement, c'est pas fait pour être ensemble, mais involontairement, ça va ensemble. Il y a le petit bracelet à double tour, du coup, parce qu'il y a un très grand ruban qui fait le tour du poignet en plus. Sur un thème un peu liberty. C'est pareil, c'est les mêmes roses. Parce que du coup, j'ai utilisé le même... J'avais fait beaucoup de roses, parce que j'ai mélangé du blanc et du rouge pour obtenir ce rose-là. Et vu qu'il m'en restait plein, j'ai fait d'autres roses. Mais c'était pas fait pour aller ensemble, mais ça va très bien ensemble quand même, parce que c'est les mêmes petites fleurs lucides. Enfin bref, voilà. Sur des petits supports camés que j'ai eu sur la boutique de Elika in Wonderland, que j'adore. Faudrait que j'en rachète de ces petits supports camés-là, parce que c'est super sympa. Enfin bref, voilà. Un petit bracelet rose, que j'aime beaucoup beaucoup. Même si c'est rose, j'aime beaucoup beaucoup. Parce que c'est le printemps. Ouais. Voilà, j'ai fait le tour de mes créations, il y en a eu beaucoup, la vidéo a été très longue, je suis désolée. Encore plus, j'ai fait beaucoup de blabla, donc c'est de ma faute. Je l'admets, je suis coupable. Enfin bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Que je serai pas trop partie en live, parce que là, je sais pas ce qui m'arrive, je suis vraiment de plus en plus folle. Donc je me soigne, je vais pas bien. Mais je sais, c'est parce que je m'approche de la trentaine. Dans 2 mois, je prends 30 piges, putain ça me fait chier. Je vais avoir un purée et au mois de mai, je vais être vraiment en coup de blues total, quoi. Bon, ça va parce que là-dedans, ça ne suit pas. Et puis qu'apparemment, physiquement, je fais pas 30 ans non plus, donc... Tant mieux, j'ai envie de te lire. Mais bon, ça fait quand même chier parce que je vais avoir ma première ride qui va apparaître au secours. Au secours. Au secours. Oh, et je voulais vous demander aussi... Je pense que j'ai le droit de rêver, je pense que... Mais bon, je demande quand même, on sait jamais, hein, qui ne tente rien à rien. Je voulais savoir si quelqu'un aurait un code promo sur le site de Perle & Co, parce que j'ai une petite commande à faire, mais ça me revient très cher. Donc voilà, si y avait quelqu'un qui a un code promo, ça serait super. Sur une autre boutique, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que je suis fidèle à Perle & Co, donc tant qu'à faire, hein. Ça serait mieux, mais bon. Je voudrais me racheter des pains de Fimo parce que là, récemment je suis allée chez Cultura, je me suis refait un plein. Mais il me manquait la couleur bleu saphir. En magasin, je n'arrive plus à la trouver. Il n'y a que sur le site de Perle & Co que je l'ai vue, donc j'aimerais bien pouvoir me la commander, quoi. Mais j'ai rajouté ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis au final ça revient très très cher. Donc si y avait un petit code promo, ça m'arrangerait, quoi. Bon, sinon, c'est pas grave, j'attendrai d'être un peu plus riche. Qu'on les pouvoir en délampe, quoi. Enfin bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez des tutos, n'hésitez pas à me le dire. Je suis très longue à la détente, mais je finis toujours par le faire. Ça, c'est la phrase que je répète tout le temps, donc je la connais par cœur. Faut que je change de disque, hein. Oh là là, c'est pas bien.
Et j'ai encore la technique du pargello à vous montrer. Et là récemment, bah, je voulais pas entrer dans cette vidéo là parce que c'est des créations du mois de février. Mais je vous ai fait une autre technique, la technique de l'Hidden Magic. Donc du coup j'ai encore deux techniques à vous montrer. Faut juste être patient. ça va venir. Vous avez... Les tutos sont faits, il n'y a plus que le montage à faire. Et puis à vous de poster ça. Poster ça, oui. Voilà. Bref, on s'en fout. Puis c'est tout, hein. Bon bah voilà, j'arrête. J'ai fini, j'ai fait le tour. Donc c'est bon. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.